tuoi cori infuriati, da un sintimo sutile, da parte da terra e a esoverezze, un uomo incatenato, più di stella lì, allora chi a notte stende un sole, a me un sogno strappato, cerca d'armonia, si sciocchi di annua verso l'alba che ci ama. Amis sportifs, bonjour. Nous sommes heureux de vous accueillir dans l'antre de Ange Casanova à Mezzabille. Nous sommes en Ajaccio et je suis en compagnie du coordinateur, de l'entraîneur des moins de 19 ans qui est heureux aujourd'hui, content. Voilà, depuis quelques temps, on est heureux et content. Je suis aussi avec notre ami. On va laisser passer la moto. Bertrand, il est là. Alors, vous ne le voyez jamais, Bertrand, mais Bertrand est quelqu'un d'extraordinaire parce qu'il vous permet, chers amis sportifs, parents, alliés, amis, copines, tout ce que vous voulez, de voir eh bien, vos enfants se produire sur la pelouse de Ange Casanova pour cette 12e journée du championnat national. Des moins de 17 ans, 22 points, 6 matchs gagnés, 1 nul, perdu 3 buts pour 16, buts contre 12. Voilà, je ne sais pas si mes comptes sont bons. Mon cher Robert, voilà, tu prends l'antenne tout de suite avec la musique et la chanson du GMCA. On est heureux actuellement au GMCA. Oui, on est heureux. Oui, ça va. Pour l'instant, tout va bien. On prend plaisir aujourd'hui sur le match 17, on a pris plaisir aujourd'hui hier sur le match de Monaco à l'extérieur. Voilà, tout va pour le mieux, tout avance positivement, que ce soit structurellement, sportivement, dans les résultats, dans toute l'ambiance qui règne autour du club. Et cette pelouse magnifique, en 3 semaines, le stade de Mezzabille a fermé ses portes. Et grâce à des amis, à des sponsors, l'établissement Moultari par exemple, qui sont venus, qui ont donné la main, et bien cette pelouse est en train de rejaillir, à reverdir et rejaillir. Oui, et c'est bien comme ça. Ça nous permet de voir l'étendue du talent de tous les joueurs qui sont sur le terrain, en mieux, hein, parce que des fois c'était pas évident, même si on n'a pas été trop déçus. Voilà, mais il faut remercier ces gens-là et puis surtout aussi remercier tous les gens qui sont au quotidien à s'occuper de cette pelouse. Antoine, Vincent, Louis, je dois en oublier, mais voilà, ils se reconnaîtront et ce sont des bénévoles, dirigeants, présidents du club qui s'occupent de tout ça et qui permettent le bon fonctionnement et dans les meilleures conditions pour les enfants. Et surtout un grand merci. Un grand merci à toutes celles et ceux qui, depuis quelques mois, eh bien, donnent la main au GMCA. Alors, il y en a qui donnent la main financièrement et d'autres donnent la main, bien évidemment, en appelant, en venant, en prêtant quelque chose. L'esprit GFCA perdure et c'est bien. C'est ce qui fait vivre le GFCA aujourd'hui. C'est ce qui l'a sauvé. C'est ce qui va continuer à le construire ou à le reconstruire. Et même le fait d'être aujourd'hui en face de cette tribune qui me semble bien remplie pour un championnat, un match de U17 nationaux. Ouais. Voilà, ça fait plaisir et ça fait chaud au cœur pour tout le monde et c'est une grande récompense. Alors, je pense que nous allons
avoir une minute de silence, je pense. Ou alors, enfin, en tout état de cause, eh bien, nous allons dédier cette rencontre au papa de Pascal Cazil, Marc Cazil, qui nous a quitté. Pascal Cazil, qui a été celui qui, pendant des années, a commenté les matchs du Gazélec, eh bien, sur Radio Nostalgie, avec sous la férule de notre ami Antoine Figaril. Voilà. Alors, le Gazélec, Robert, Lucas, Harry, Laurent, ce sont des prénoms, Maté, Vranché, Hamza, Minigoni, Yanis, Evan, Bamalik, Adam, Raphaël, Portali, Antondo, Petranto, Romain, on sent un côté, je dirais, très familial. Mais il faut, de toute façon, c'est l'histoire du club, c'est là que le club a écrit ses plus belles heures, et on essaye de prendre tout ce qu'on a vécu de mieux avec ce club et de le faire... jaillir sur les enfants et c'est une priorité avant tout d'être une famille avant de parler de sportif et de performance. Alors nous accueillons Monaco, une fois n'est pas coutume, en bleu et blanc, le maillot est sympathique, voilà, avec cette tranche hein, au milieu de cette diagonale, mais on est en bleu et blanc. Et hier, justement, tiens, je voudrais te demander, alors la couleur à la fin de la rencontre, je pense qu'on a vu dans les titres des journaux en Côte d'Azur, cruelle défaite des moins de 19 ans de Monaco. Ils ont joué sous quelle couleur les Monégasques hier? Ils étaient en rouge. Hier, ils étaient en rouge et nous en noir. Voilà, on a réalisé une super performance. Après, là où on est heureux, c'est bon, déjà de pouvoir rencontrer ce genre de club, puisque c'est l'élite du football français. Et après, quand on arrive à les rencontrer et en plus à exister, et de la meilleure des manières, on est encore plus heureux, puisque c'est représentatif du travail qui est mis en place depuis quelques années au club. Et ça met des enfants en valeur sur le plan sportif et tout le monde est content de faire ce genre de déplacement, surtout dans de telles conditions où tout est au optimal, que ce soit du départ d'Ajaccio à l'arrivée à Monaco avec des infrastructures top niveau. Voilà, on ne peut pas en vouloir plus. Alors c'est un centre de formation. À quel moment le Gazélec a commencé entre guillemets, hein, à battre des centres de formation, parce que le Gazélec est un club amateur. Dans ce championnat, on va revoir, hein, il y a eu des résultats, on en parlera à la mi-temps. À quel moment, eh bien, on s'est dit, tiens, on a fait un exploit, une fois, un jour, on a battu un centre de formation, et là, apparemment, on s'aperçoit que, bon, voilà, il y a quand même, il y a Toulouse, il y a Montpellier, là, il y a Monaco. Donc, on a quand même l'impression que le Gazélec, on ne va pas dire est rentré dans la cour des grands, mais quand même, arrive match nul face au Sporting, l'AC a battu à domicile 1-0, ce sont des centres de formation. Il y a eu le match nul contre Colomiers, voilà. Alors, au départ, quand le club a accédé un petit peu il y a 4 ans à l'Assemblée nationale, l'objectif c'était d'exister. Exister, ça voulait dire de recevoir les équipes dans les meilleures conditions et de proposer quelque chose qui permettait de les battre, que ce soit donc au départ les clubs amateurs, puisque c'était vraiment notre championnat. Et au fil des années, bien évidemment, avec le travail, avec des joueurs qui nous ont rejoints, des joueurs du club qui ont évolué, eh bien, on s'est rendu compte qu'on passait certains caps. Ça a été d'abord, je dirais, une certaine confiance à battre les clubs amateurs. Et puis après, donc, dans cette optique-là, nous étions un petit peu plus sereins pour recevoir les clubs de pro. Et on s'est accroché, on a appris aussi, puisque il faut, quand on joue contre ce genre d'équipe, on en apprend toujours. Et petit à petit, on a essayé de réduire l'écart qui nous sépare de ces clubs, du moins je dirais ponctuellement, puisque sur la durée, bien évidemment, il n'y a pas photo, mais sur 90 minutes, peut-être que par moment, c'est possible. Et attention, la première. Voilà. Possible, ça va être possible aujourd'hui. Espérons, en tout cas, on démarre bien, puisque oui. pour battre ce genre d'équipe. Exactement. Pour battre ce genre d'équipe, il va falloir eh bien, être présent et plus que présent. Voilà. Allez, on va. Je vais vous donner quand même la composition de l'équipe de Monaco, Loubaki, Cherki, Rosana, Shekina, Camara,
Sylvain Tekanté, Moussaoui, El ou Raoud, Boul, Lifa et Moulangou. Voilà, il y a un petit ballon. Attention pour le Gazélec. Oh là 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 là. Alors, le Gazélec qui vient d'avoir la première occasion, je dirais, intéressante. Pour l'instant, mon cher Robert, ça se passe au milieu de terrain. On essaye de poser le jeu. On le pose tranquillement. Et voilà, on s'aperçoit que voilà, les équipes se jaugent. Et on peut dire aussi, ils se respectent. Exactement. On peut dire qu'on a bien démarré. On est bien rentré dans ce match parce que contre ces équipes, ce genre d'équipe professionnelle, l'intensité est déjà très élevée dès le départ. Et il faut être bien prêt pour démarrer. C'est ce qu'on a fait. On est bien en place. On occupe bien l'espace. Les joueurs sont proches les uns des autres à la perte de la balle. On arrive tant bien que mal à par moment poser le ballon, du moins autant que cette équipe de Monaco. Et les premières minutes vont être importantes parce qu'il y a un rapport de force à gagner et on doit faire douter cette équipe de Monégasque au plus vite. Elle doute tout de suite, mais elle a le ballon, l'équipe Monégasque, par l'intermédiaire de Rosana. On va jouer rapidement avec son milieu de terrain. Le milieu de terrain pour Sylvestre. Allez, voilà, c'est du 1-2. Attention, ils vont s'approcher de la surface de réparation et dégagement de la défense du GFCA. Celle El Ouaroud qui avait été le plus menaçant pour les Monégasques. Allez, les Monégasques qui repartent avec Rosana, le ballon dans les pieds des défenseurs du GFC. Attention, ça repart, mais pour l'instant, allez, on est un peu haut. Alors, dans un début de rencontre, est-ce qu'on met l'accent sur la récupération haute? Est-ce qu'on va chercher les joueurs face à une équipe comme Monaco, où on se dit, tiens, je vais rester un peu plus prudent et je vais quand même mettre eh bien, mes pensées footballistiques pour l'instant un tout petit peu en berne, ou carrément, bien, on est à domicile, on joue le jeu, on va les chercher et puis voilà, on s'assume. Oh, l'idée, c'est toujours d'aller le plus possible, d'aller les chercher. Après, c'est une idée, c'est un plan de jeu. Ce n'est pas toujours facile parce qu'on a quand même un adversaire en face avec beaucoup de qualité. Mais l'idée, oui, effectivement, surtout à domicile, c'est de contrarier cette équipe encore avec ce ballon dans la profondeur pour Yanis dans les 20 mètres. Dommage. On a un bon contre, une frappe d'Evan et une autre frappe de Bamalik qui ne donne rien. Dommage. Mais on est présent quand même, on est présent et surtout on arrive à se retrouver dans du petit jeu combiné. Oui, effectivement, essayer d'aller chercher le plus haut possible, essayer d'inquiéter et de mettre en difficulté cette équipe de Monaco au plus vite. En tout cas, sur un plan psychologique, essayer de lui faire perdre confiance le plus rapidement possible en lui faisant commettre des erreurs. Et voilà, d'ailleurs, on voit la position du bloc qui est assez haute. Et des joueurs qui avancent, donc de défendre en avançant, c'est toujours positif. C'est une des clés de ce genre de rencontre, être toujours face à la balle et avancer. Voilà, ici on est l'exemple parfait, puisqu'on a récupéré le ballon et que son projette vite vers l'avant. Allez, le Gazélec sur le côté gauche. Alors, j'ai l'impression qu'il y a deux frères, non? Non, il n'y a pas de frères dans l'équipe? Non. Non? Ils se ressemblent un tout petit peu, hein. Allez, le Gazélec dans le rond central, le ballon, petite bousculade. Et les rouges et bleus qui vont repartir. Voilà les amis, si vous venez de nous rejoindre, la 12e journée du championnat national U17 à Mezzavi. Et pour l'instant, 0-0 entre le Gazélec Football Club Ajaccien et l'AS Monaco. Attention, le dégagement un tout petit peu raté du gardien de but. Allez, ce sont les prénoms, hein, c'est Lucas. Un petit diagonale pour l'avant-centre. Adam qui va frapper. Attention, il est dans la séparation, bien joué. Et il y aura une position de hors-jeu sifflée par Monsieur Canal, assisté de Monsieur Fernandez Costa et de Monsieur Costa. C'est la famille Costa. On n'est pas sur une, on aurait pu dire même verde, parce que la pelouse est vraiment verte. On est chez les Costa Verde. Voilà, vous avez compris. Et puis alors, le gardien de but de Monaco, Loubaki, eh bien, a une tenue merveilleuse. Il me plaît beaucoup, franchement.
Voilà, c'est du rose, je crois, hein, ou du fuchsia, c'est du rose. Hein, voilà. Monaco qui se présente avec Lubaku, avec Cherki, Chekina, Camara, Rosana, Sylvestre, Kanté, Moussaoui, El Ouaraoud, Boulifa et moi, Langou. Allez, ils repartent. Les Monégasques sur la droite avec Rosana. Rosana, un petit pied gauche. On cherche le côté gauche, mais ce sont les gaziers qui vont pouvoir se dégager. Allez, les Monégasques, pour l'instant, nous sommes dans le côté Gazélec, le bloc qui coulisse bien. Les Monégasques qui cherchent la solution. C'est resserré, très resserré. Vous l'avez compris, face à de telles équipes, il va falloir resserrer parce que vous avez quand même un centre de formation avec des joueurs qui font ça bien, toute la journée et qui sont promis souvent à une belle carrière. Allez, Camara. Camara qui donne pour Lubaki. Lubaki, un petit ballon pour son libéro, le libéro qui lève la tête. On va monter peut-être à la récupération de balle côté GFCA. On fait tourner côté Monaco. Bien, nous avons passé les 10 premières minutes dans cette première mi-temps. Toujours 0-0 entre Monaco et le GFCA. Attention, il est passé 1, 2, 3 joueurs. Il a frappé Moussaoui. Et le ballon qui va mourir en sortie de but. Robert, on peut dire que voilà, les 10 minutes sont passées. Est-ce qu'on peut déjà faire un petit bilan nous sommes au premier quart d'heure. On s'aperçoit quand même qu'il n'y a pas une grande domination du centre de formation de Monaco et que le GFCA pense à se replacer, à coulisser et surtout à resserrer, à se resserrer afin que les Monégasques ne rentrent pas dans la faille. Et la difficulté, c'est de les empêcher de prendre la vitesse parce que avec les talents que compose cette équipe, c'est toujours un petit peu sur le fil. Si on laisse des espaces, ça devient plus compliqué. Là, on le fait plus ou moins bien. Il n'y a pas beaucoup de prise de vitesse de l'équipe adverse. Et même si nous n'avons pas beaucoup le ballon, mais que bon, on arrive quand même à trouver l'attaquant, on arrive quand même à se faire des petits relais à 2 et à 3. Donc pour le moment, je dirais que ça se passe tranquillement. Ça va se, de toute façon, une victoire contre ce genre de club se construit sur la durée. Voilà. Il va falloir être juste techniquement et ne pas perdre de ballons faciles, mais surtout ne pas les rendre. Que Monaco vienne en chercher, ça c'est la logique, mais qu'on les rende facilement comme cette dernière relance-là, c'est beaucoup plus compliqué parce qu'après, ça nous met rapidement en difficulté avec ce ballon du numéro 11 sur le côté gauche qui va jouer un duel 1 contre 1. On a assuré la supériorité, on fait reculer un petit peu, là il va falloir avancer. On va retrouver certainement ce genre de phase de jeu assez souvent dans le match. À nous après, à la récupération, de bien s'en servir et de pouvoir créer des failles dans cette défense monégasque qui va de plus en plus avancer et qui va certainement nous laisser de la liberté de nous organiser dans son dos à condition de trouver les bons relais et de la justesse de passe pour aller au bout. Allez, les Monégasques qui ont la possession de balle, on fait tourner, c'est bien joué. Attention, on rentre aux 30 mètres, peut-être une frappe. Non, on cherche le milieu de terrain. On revient, frappe contrée par le milieu de terrain du Gazélec. Les Rouges et Bleus qui vont retrouver la possession de balle. Mais les Monégasques sont très très proches de la défense du GFCA. Il y a un pressing constant, vous l'avez compris. Les Monégasques essayent de construire, on fait jouer, on fait tourner ce ballon et on essaye de trouver la faille. Mais pour l'instant, les gaziers sont bien regroupés, coulissent, comme on dit, et on ferme un tout petit peu les portes pour ces joueurs monégasques. Voilà, peut-être un contre côté GFCA pour Adam. Ah, c'est dommage, il y avait un bon ballon pour notre avant-centre. Adam, et ce sont les Monégasques qui vont pouvoir repartir de l'avant. GFCA 0, Monaco 0 dans cette 12e journée du championnat national moins de 17 ans. Allez, dans la demi-lune du rond central, Sylvente qui donne pour Cherki, Cherki qui revient pour Camara.
Camara qui lève la tête. On essaie de jouer rapidement avec Bolifa. Mais ce sont les Monégasques qui repartent. Attention, il y a un bon moment pour les Monégasques. Il y aura une pénétration, mais il y aura un hors-jeu sur Moulangou. On s'aperçoit tout de suite, Robert, hein, dès qu'il commence à avoir du confort technique et qu'il se trouve rapidement, il y a des ouvertures il y a des ouvertures pour l'équipe monégasque. Il faut être concentré tout le match. Il n'y a pas un moment de répit contre ce genre d'équipe. La qualité est tellement importante que le danger peut venir de partout. En plus, ce sont des centres de formation qui ont un plan de jeu et un projet de jeu bien établi, bien évidemment. Donc, ils ont des principes qui leur permettent de se retrouver dans des bonnes positions. Si surtout on les laisse faire, qu'on est un petit peu en retard, si on n'est pas coordonné ensemble, si on n'utilise pas bien l'espace, ça devient vite compliqué. Là, maintenant, ça fait quelques petits moments que Monaco a le ballon, même si c'est assez stérile. Ils nous le confisquent et il va falloir que ça ne dure pas trop parce que sur cette pelouse qui est belle mais un petit peu grasse, les jambes vont vite devenir lourdes et que il vaut mieux toujours attaquer plutôt que de défendre au niveau psychologique pour répéter les efforts. C'est bien d'aller de l'avant, espérant qu'on va trouver quelques petits relais et la possibilité de garder le ballon quelques secondes. Pour l'instant, on le perd un petit peu trop vite. Exactement, on a l'impression que les Monégasques sont en train de tisser cette toile dans cette 12e journée du championnat national. Je vous rappelle, Monaco, c'est 5 victoires, 4 nuls, 2 perdus, 25 buts pour 18 contre. Allez, l'arbitre de la rencontre, Monsieur Canal, voilà, qui dit aux joueurs de Monégasque, le boss, c'est moi, ce sont les Monégasques qui vont repartir avec Rosane. Le ballon, il ne va pas falloir trop reculer, il ne va pas falloir trop subir et commencer un tout petit peu à s'ennuyer et être à un moment donné déstabilisé par cette équipe Monégasque. Attention, il y a un bon ballon dans la surface de réparation. Ah, voilà le but. Ah, on l'avait dit. Le but de Moussaoui, voilà. Vous l'avez compris, hein, dans les propos de Robert Bonnard, qu'il y avait quelque chose qui était en train de se passer. On subissait un tout petit peu. Alors, nous n'avons pas subi beaucoup. Mais quand même, Robert, on ne va pas dire qu'on l'a senti, on ne va pas dire qu'on l'a vu, mais les Monégasques qui n'avaient pas de déchets dans leur jeu ont commencé à construire, d'abord à faire tourner le ballon, à chercher un peu au milieu de terrain. Ils se sont aventurés deux fois sur D1-2 et là, ça a payé. C'est-à-dire qu'on n'a pas réussi, nous, sur nos récupérations, à bonifier un petit peu. On a fait des petites erreurs techniques qu'on n'a pas l'habitude de voir et surtout sur des petites orientations comme je vais prendre l'exemple de la touche qui a mené derrière la perte de balle et le but où on a une petite erreur de contrôle où au lieu d'aller vers l'avant on va vers l'arrière et tout de suite on est pressé et on rend le ballon à cette équipe de Monaco et ça donne de suite une occasion derrière. C'est très difficile contre ces équipes là si à un moment donné on n'arrive pas à conserver le ballon un minimum. Il va falloir qu'on se concentre bien là-dessus, qu'on ne se précipite pas. Voilà, parce que, bien évidemment, le match ne fait que commencer. Et dans ce genre de match de niveau, tout est possible, à condition de ne pas perdre le fil, de rester bien organisé. C'est ce que l'on aime et il faut être un petit peu plus actif, un petit peu plus réactif. Et être plus juste techniquement parce que la base du football, c'est d'avoir le ballon dans les pieds et de bien s'en servir. Et pour le moment, nos joueurs ne sont pas tous dans les mêmes dispositions. Il y en a qui ont bien démarré et puis d'autres un petit peu moins. Ils sont un petit peu en dedans. Il y a un petit peu trop de déchets pour pouvoir exister contre cette équipe. Oui, un tout petit attentiste. Hein. Allez, espérons. Allez, ça repart tout de suite pour Bamalik qui a essayé de jouer... sur le côté gauche, on perd le ballon. Je vous rappelle que depuis la 20e minute de jeu, il y a quelques instants, c'est Moussaoui pour l'équipe de Monaco dans cette 12e journée du championnat national
qui a inscrit le premier but. Il n'y avait pas une grande domination de l'équipe de Monaco, mais l'équipe de Monaco qui gardait beaucoup le ballon, le Gazélec qui subissait au milieu de terrain sans avoir eu contre elle des occasions. Mais il y a eu une petite incursion sur la gauche, il y a eu un hors-jeu qui a été signalé. Mais bon, c'est Moulangou qui était rentré le premier dans cette phase de réparation. Et pour l'instant, nous sommes menés 1-0. Allez, il y a un coup franc pour l'équipe du Gazélec qui va être frappé de la gauche vers la droite. Si mes notes sont bonnes, je crois que c'est Mathéo celui-là. Harry, c'est Harry. Allez, Harry, c'est le capitaine du pied droit. Le ballon qui va rentrer, il est bien tiré. Dégagement de la défense monégasque. Allez, les enfants, il faut y aller. Il faut toucher ce ballon, enfin, du moins le récupérer et ne pas laisser partir en contre les monégasques qui repartent côté droit. Attention, il va y avoir la longue Diago, la tête. Et le Gazélec qui va pouvoir repartir avec Lucas. Allez, sur la droite. Voilà, on revient tout de suite pour les rouges et bleus. On va passer, on va essayer de passer le rond central à l'AVC joué. Beaucoup de joueurs au milieu de terrain côté monégasque. On essaye de couper les transmissions rapidement. Et il est vrai que nous n'avons pour l'instant pas réussi à toucher ni Bamalik, ni Adam et ni Yanis. Les joueurs qui peuvent faire trembler la défense monégasque. Allez, les monégasques, voilà, ça joue bien. Petit ballon sur la gauche, il faut y aller quand même, c'est bien. Voilà. Il est vrai que la pelouse est un peu grasse. Oui, bon, voilà, elle est toujours convalescente. Et lorsqu'on subit un tout petit peu, on s'ennuie, on s'énerve. Et si en face, ils ont le confort technique suffisant, eh bien, arrive ce qui est arrivé à la 20e minute de jeu. Monaco 1, GFCA 0. À Monticello, pour l'instant, 25 minutes de jeu en Coupe de Corse. GFCA 1, Monticello 1, si mes informations sont bonnes. Allez, le Gazélec qui repart. Voilà, il va falloir peut-être aller chercher, monter un tout petit peu. On a l'impression que ce but encaissé, Robert, nous a rendu un tout petit peu frileux. Là, on a le ballon, voilà, on l'a devant les yeux. Le bloc ne monte pas. On doute un peu. On ne sait pas si on doit y aller, si on doit enclencher. On a du mal à accompagner les actions et surtout, on a du mal à trouver un point d'appui qui permette de faire monter l'équipe. Alors, l'équipe monégasque nous laisse un petit peu la possession de la balle pour aller sur les côtés. Et puis, une fois qu'on arrive sur le côté, on est vite pressé et on a du mal à ressortir le ballon. On a du mal à trouver des relais sur le milieu de terrain. Et notre milieu de terrain composé de Franchet et d'Amza a toutes les peines pour pouvoir avoir le ballon dans les pieds. Pour l'instant, ils font beaucoup l'essuie-glace et se contentent de défendre, de colmater les brèches. Mais on n'arrive pas à les trouver pour monter d'un cran. On a une relation défenseur attaquant en direct de la part du Gazélec. On n'a pas encore cette relation défenseur-milieu-attaquant et il faudrait qu'on la trouve parce que ça nous permettrait de faire un peu moins d'efforts et de déstabiliser un petit peu plus Monaco qui, elle, s'attend à ce que nous touchions nos attaquants et s'organise avec un surnombre toujours face à nos attaquants pour être un 4 contre 3 ou alors un 3 contre 1 ou un 3 contre 2. Donc c'est compliqué pour nous pour l'instant de, à moins peut-être sur cette récupération de la balle. Et c'est dommage, on tarde un peu à donner le ballon. Mais on en est sorti quand même. Allez, le Gazélec avec Adam qui va frapper. Oh, le dégagement de Loubaki. Le ballon toujours dans les 16 mètres pour le GFCA. Un petit centre. La tête d'Adam. Le ballon qui passe au ras du montant gauche. Voilà, le Gazélec est sorti un tout petit peu, se promener dans la défense monégasque. Et donc, nous avons la preuve que nous pouvons être bien placés, pourquoi pas scorer et mettre en difficulté cette équipe de Monaco. Nous jouons la 25e minute de jeu. C'est toujours 1-0 pour l'équipe de Monaco face au Gazélec. Allez, le Gazélec qui est sorti un tout petit peu de son ornière et qui est allé chercher un peu plus haut. Voilà, on est un peu plus haut, on va les embêter. Il est vrai que bon, on ne va pas dire que ce but est venu dans
dans le cours, contre le cours du jeu, mais quand même, il n'y avait pas eu une grande domination. Il y a eu deux belles constructions et la deuxième a payé comme les deux constructions qu'il y a eu, là, le coup franc qui aurait pu payer côté Gazélec. C'est peut-être là où va se faire la différence aujourd'hui dans cette rencontre qui est ouverte, mais qui au milieu de terrain, eh bien, on récupère beaucoup de ballons. Attention, le Gazélec sur la droite, le centre, on va récupérer, il ne faut pas la perdre, très bien. Allez, il y a quelque chose à faire, le centre, et ce sera un corner pour l'équipe du GMCA. Allez, un petit blessé, je crois, côté monégasque, et le Gazélec qui va avoir son premier corner, je crois, qui va être frappé. Franchet, je crois, c'est ça. Franchet qui va frapper de la gauche vers la droite. Allez, les amis, Adam. Voilà, bien tiré dans les bras de Loubaki. Allez, ça repart rapidement côté monégasque sur la gauche. Allez, il va pistonner. On donne pour Moulangou. Moulangou, c'est du 1 contre 1. Attention, voilà, il revient sur la droite, il frappe, il centre. Oulala, il y a hors-jeu. Il y a hors-jeu, mais il était un peu seul. Hein. Il va falloir serrer un tout petit peu le marquage. Là, il y avait une position de hors-jeu. Allez, ça repart très vite, un tout petit peu débridé en ce moment entre le Gazélec et l'équipe de Monaco. Et ce sera une touche pour les hommes de Jean-Charles Baquet qui ont failli égaliser. Hein, qui ont failli égaliser. Ça va mieux. Alors, vous savez comment on dit, ne pas trop respecter l'adversaire. C'est-à-dire que jouer comme il joue et lorsqu'on a une occasion, eh bien la scorer, la mettre au fond. Afin de faire douter. Allez, attention, le Gazélec, la frappe à mi-distance. Et en même temps, Robert, ne pas se précipiter. Ne pas se précipiter, prendre le temps. Parce qu'à un moment donné, si on fait les choses comme il se doit, eh bien, l'occasion va se présenter, on l'a vu. Et puis, scorer. Et ce qu'on voit actuellement, faire douter cette équipe de Monaco. Mais là, pour le moment, bon, déjà, on est mieux. Donc, c'est la première étape, on joue plus haut. Le début de match de Yanis sur le côté droit nous permet, pour le moment c'est l'un des seuls qui nous permet d'avoir une certaine justesse et de créer quelques brèches dans la défense adverse avec Bamalik un petit peu de l'autre côté, donc il va falloir les utiliser un petit peu plus souvent. Je pense qu'il faudrait qu'on les recherche un petit peu plus parce qu'eux sont en forme aujourd'hui, ils ont démarré au mieux de l'équipe. Et maintenant qu'on est bien haut, et bien effectivement oui, il va falloir faire les bons choix, il va falloir être patient. Et surtout déterminé. Par moment, on est assez timide devant pour l'instant. Et nos frappes sont assez molles et nos enchaînements aussi. Mais on a quand même eu des occasions. Donc, allez, on est passé d'une situation où on subissait à une situation où on est plus haut et on fait subir quelques mouvements à l'équipe monégasque. Il va falloir continuer comme ça et il va certainement y avoir encore des moments difficiles, mais s'accrocher, rester patient, être intelligent et défendre ensemble, voilà, comme sur cette image-là. Exactement, défendre ensemble depuis la 20e minute de jeu, 1-0 pour l'équipe de Monaco, but de Moussaoui. Nous sommes rentrés dans la 28e minute de jeu en première mi-temps et les Monégasques eh bien, qui refont les gammes. Attention, ça repart sur la gauche, un petit ballon dans la surface de réparation, dégagement de la défense ajaxienne. Voilà, alors si vous êtes avec nous... avec la caméra, parce que vous nous écoutez aussi sur Frequenza Nos 99 FM, c'est pas la même chose, parce que le son et l'image, c'est pas la même chose. Mais j'espère que si vous êtes à l'écoute du 99, vous avez très bien compris que Monaco eh bien, a des gammes, et que pour l'instant, il n'y a pas beaucoup de déchets, et qu'ils arrivent à trouver leurs attaquants. Et si vous êtes devant votre ordinateur, bien, vous avez bien vu qu'il y a des séquences. Il y a eu la séquence à partir de la 15e où les Monégasques ont récupéré le ballon. Comme là, voilà, ça joue en 1-2. Nous sommes un tout petit peu bousculés dans les 16 mètres. Pas de faute. Voilà, dégagement pour la défense du GFCA. Et là, il y a une nouvelle séquence
où il y a quand même du confort technique côté monégasque. On fait tourner le ballon, on essaie de couper un tout petit peu, hein, de transmettre rapidement, on coupe les lignes. Et le Gazélec est obligé de défendre comme il se doit. Pour l'instant, eh bien, on ne va pas dire que tout se passe bien puisque nous sommes menés 1-0. Mais on a prouvé qu'en sortant... Voilà, la récupération. Et voilà, cette récupération, attention, c'est du 1 contre 1. Non, il n'y aura pas pénalty. Bien arbitré, M. Canal, il n'y aura pas pénalty, mais on l'a vu rapidement, Robert, que cette récupération, voilà... On a coupé, hein, il y a eu une transmission, on a coupé les lignes et c'est allé très vite. Et l'avancante s'est présentée seule devant eh bien, Lucas et on a failli, encore une fois, être surpris et surtout piégé. Dans ce genre de situation, mais c'est Monaco qui l'a créé cette situation, même si c'est nous qui donnons le ballon, parce qu'elle fait exprès de laisser de l'espace entre le relanceur et les milieux de terrain et se concentre beaucoup sur les milieux de terrain. Et si le relanceur de l'équipe qui a le ballon n'avance pas avec celui-ci, en fixant l'adversaire pour le faire sortir, eh bien, il se retrouve à faire une passe d'une quinzaine ou vingtaine de mètres avec son coéquipier qui est marqué de près. Et souvent, c'est le joueur qui avance qui le récupère. Et donc, sur la situation, ça a été celui de Monaco. Et ça amène tout de suite une situation dangereuse puisque le bloc du Gazélec avance et il se retrouve pris à défaut en plein contre-pied. Voilà, donc... il va falloir faire attention à ça et ne pas jouer trop vite et ne pas hésiter à porter la balle sur quelques mètres pour essayer de faire sortir ce bloc monégasque qui est assez densifié et surtout qui, à la récupération, va très vite vers l'avant, encore avec cette projection numéro 9. Heureusement, c'est bien défendu par Matteo. Il ne faudra pas faire de faute. On va essayer de défendre intelligemment. On s'en sort pas trop mal, il faut faire attention. La sortie, par contre, est mauvaise. Et là, ça va mieux. Allez, c'est reparti. La sortie voilà, est intéressante. On a le côté gauche. Un petit ballon pour Adam, c'est du 1 contre 1. Dommage, il n'a pas touché le ballon. Et c'est Loubaki. Voilà, il va y avoir des occasions. Il va y avoir des situations. Mais côté monégasque, on passe d'un côté... un autre. Allez, on a raté le ballon. Cher buteur, Moussaoui de la 20e minute. Monaco 1, GFCA 0. Et le Gazélec qui va essayer de repartir avec Minicone à la touche. Le ballon, une petite faute du numéro 10, El Ouaroud. Pour Monaco, allez, Monsieur Canal va appeler tout le monde, il va calmer les esprits, il fait bon, ça se passe très très bien, il y a du monde à mes avis, il doit y avoir entre 300 personnes hein, facilement pour ce match de moins de 17 ans. Allez, Adam qui touche le ballon, on est à 30 mètres des buts, il est bien pris par Chekina, récupération rapidement. Avec Sylvain qui touche beaucoup, beaucoup de ballons. Il revient pour Rosana. Il y a un petit pressing de la part eh bien, de Yanis. Mais les Monégasques vont repartir. Les Monégasques, bon, voilà, on ne va pas dire, sont c'est un centre de formation. Voilà, on voit très bien. Voilà, hein. Il y a un projet de jeu. On prend son temps. On regarde. Mais nous avons les possibilités eh bien, de... les embêter un tout petit peu. Attention sur la gauche, il y a un décalage. Le GFCA qui repart de plus belle dans le rond central. Allez, il faut lever la tête. Un petit ballon sur la droite. Il y a eh bien, c'est Camara pour l'équipe de Monaco qui va récupérer le ballon. Loubaki qui joue pour Sylvente. Sylvente qui avance. Voilà, on regarde un tout petit peu. Nous jouons la 33e minute de jeu en première mi-temps. Toujours 1-0 pour cette équipe de Monaco. But de Moussaoui à la 20e. Allez, les Monégasques qui font tourner ce ballon. Le ballon revient pour Rosane. Rosane qui lève la tête. Très bien joué. C'est en triangle. Moussaoui. Il faut monter sur ce porteur. Moussaoui pour Rosane. Il faut toucher le ballon. Voilà. Il n'est pas touché. Mais c'est le Gazélec qui va repartir de plus belle. Dans la tête de jeunes joueurs comme ça,
Parce que bon, voilà, hein, il y a la tête des grands joueurs, il y a la tête des joueurs confirmés. Mais dans la tête de joueurs comme le Gazélec, lorsqu'on rencontre déjà Monaco, hein, on doit se faire déjà un petit truc en se disant, même si nous sommes bien placés, hein, je rappelle que Gazélec est à la deuxième place ou troisième ex aequo, est-ce qu'à un moment donné, déjà Monaco, ça doit être un peu compliqué dans la tête des joueurs, même s'ils sont bien, voilà, on les a préparés et tout ça et tout. Mais dès qu'on prend un but à la 20e, est-ce que dans leur tête, quelque part, ils se disent, bon, alors qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? On avance, on recule, on garde les préceptes Écoute, il faudra peut-être leur demander, mais j'ai envie de dire que pour le moment, on n'a pas trop mal réagi, puisqu'on est un petit peu mieux qu'au début. Même si c'est pas fou, mais on est un petit peu moins en difficulté. On a eu quelques phases de jeu intéressantes. Il faudra arriver au moins à la mi-temps avec ce score de 1-0, en essayant de régler les petites choses à régler à la mi-temps avec le coach. Dans mon idée, il y aurait tout intérêt à ce que un de nos trois attaquants vienne se positionner dans l'axe à la perte de la balle, parce que nous avons trop d'écart entre nos milieux de terrain et nos attaquants, et sur une passe nous sommes souvent éliminés, et ce qui nous fait reculer, et notre défense à 3 se retrouve vite à 5, donc on est obligé de faire des récupérations mais très très basses, et après il faut remonter avec le ballon contre cette équipe qui effectue un contre-pressing assez important. Après, dans la tête des gamins, c'est toujours pareil, ça dépend. Il y a des jours où on va flancher, il y a des jours où ça va peut-être nous libérer, parce que de prendre un but, eh bien, maintenant qu'on l'a pris, eh bien, on va jouer. Voilà, donc écoute, pour le moment, je dirais que rien n'est perdu, hein, puisqu'il va y avoir encore une mi-temps, et que par expérience, ce genre d'équipe, on déblanc à un moment donné. Donc, ils vont peut-être finir par en avoir un, comme celui-là, par exemple. Même s'il y a hors-jeu, tu vois que c'est possible à un moment donné de les inquiéter, c'est possible de les transpercer, et donc je pense qu'on va avoir encore l'occasion en seconde période, à condition bien évidemment d'être assez solide, et il y a quelques petites choses tactiques à régler pour nous permettre d'être un petit peu moins en difficulté. Nous avons un côté droit qui a tendance à beaucoup, beaucoup, beaucoup reculer, puisque les Monégasques qui ont étudié bien évidemment notre équipe, se sont aperçus que nous jouions à 3 et que donc ils vont positionner toujours 3 attaquants bien sur les côtés, larges, pour essayer de faire reculer nos joueurs de couloir et laisser de l'espace au milieu et avoir un surnombre au milieu de terrain. Et là, quand il y a une erreur technique, ça nous permet à nous d'avoir une occasion de but. C'est dommage, ça fait 2 ou 3 fois qu'on récupère le ballon assez haut et on devrait un petit peu mieux l'utiliser, on devrait être un petit peu plus dangereux. Voilà, il faut persister avec tout l'engagement qu'il faut y mettre et la confiance, puisque aujourd'hui, de faire 1-0 à mes avis contre Monaco et avoir des occasions pour revenir, c'est loin d'être un drame. Hein. Exactement. Et puis on s'aperçoit que eh bien, l'ami Bamalik est en train de sortir un tout petit peu. Voilà, il a été gêné, il n'a pas eu beaucoup de ballons. Et la transmission, comme nous disait Robert, eh bien, elle est revenue entre Bamalik et Adam et le Gazé. Attention, ne pas perdre ce ballon. Voilà, très bien dans le rond central. Le Gazélec, voilà, on essaye un tout petit peu de chercher des solutions au milieu terrain, on va essayer de passer. Il y a du monde d'un côté monégasque dans l'entrejeu et ils sont rapidement à la récupération. Allez, le Gazélec sur la gauche, c'est Mathéo, c'est ça, hein. Bamalik, Evan, Bamalik, 1, 2 joueurs, il est contré, attention, allez, il faut mettre le pied sur le ballon. Et c'est Sylvente qui repart, Sylvente qui lance pour Boulifa. Boulifa, c'est du 1 contre 1. Boulifa, attention, ce sera un corner pour l'équipe de Monaco. Nous sommes rentrés dans les 5 dernières minutes de jeu dans cette première mi-temps de la 12e journée du championnat national. Moins de 17 ans pour l'instant, le Gazélec est mené 1-0. But de Moussaoui à la 20e. Non, il y aura la touche. Très bien. On a combien ? 38. Voilà, oui. Avec peut-être les arrêts de jeu. Allez, le Gazélec qui va repartir. Évidemment, rentrer à 1-0 à la mi-temps, cela va donner l'occasion à Jean-Charles Baquet
de remettre un tout petit peu certains joueurs ou certaines façons de se positionner sur le terrain. Mais là, c'est Adam, un petit ballon, voilà, approximation. C'est dommage parce qu'il y avait peut-être un coup à jouer d'abord, peut-être une précipitation. Mais le Gazélec a prouvé que par trois fois, il aurait pu égaliser. Et souvent, vous savez, la différence se fait dans l'efficacité. Hein, nous le savons tous. Les Monégasques qui repartent sur Alibamali, qu'il faut monter au pressing. Il ne faut pas laisser jouer. Attention, il y a déjà un petit espace. C'est du 1 contre 1. Sylvain qui va frapper. Et c'est Lucas qui va pouvoir dégager pour... son milieu de terrain. Voilà, on perd rapidement le ballon. Les Monégasques qui ont récupéré le cuir. Sylvain qui touche beaucoup de ballons. Le numéro 6 de l'équipe Monégasque. Attention, le centre. Il faut monter ce porteur du ballon. Moussaoui, le bouteur de la 20e minute. Non, il n'y a pas hors-jeu. Les Monégasques, c'est du 1 contre 1 côté gauche. En position d'ailier. Il va revenir sur son pied droit, pied gauche. Voilà, petite accélération et ce sera une touche. C'est Minicone, c'est ça, hein, Minicone, qui a concédé la touche pour le Gazélec. Les Monégasques, allez, là pour le coup, nous sommes rentrés dans les 5 dernières minutes. Sur la gauche, Rosana, un petit ballon. Allez, il ne faut pas laisser centrer le milieu de terrain et nous allons récupérer le cuir pour un dégagement de l'équipe du GFCA. Alors, on n'est pas sur le terrain, nous ne sommes pas sur la touche. On ne va pas rentrer dans la tactique parce que ça appartient bien évidemment à Jean-Charles Baquet. Mais je dirais psychologiquement... quelles seraient les choses à dire à ces joueurs qui voilà, ne sont pas dominés, sont menés par une belle équipe et qui nous ont prouvé qu'ils pouvaient rivaliser. Qu'est-ce qu'on peut leur dire pour les rassurer sans rentrer dans le domaine tactique, parce que là c'est pour Jean-Charles. Mais là déjà pour commencer, bon, eh bien, même malgré la domination, et je dirais que même si on joue une super équipe, je pense qu'on peut mieux faire. Donc, malgré une domination nette de Monaco sur cette première période, malgré les petites situations que nous avons eues, ça ne fait qu'un 0 déjà pour commencer une. Donc le match, il va rester encore une deuxième partie. On peut la considérer comme une nouvelle partie, une deuxième et une nouvelle partie. Et que peut-être qu'on va se servir de cette première période pour appuyer là où ça fait mal ou ce qui pourrait faire mal, et surtout nous rassurer dans certains domaines qui nous permettraient de ne plus être en difficulté comme on l'a été dans cette première période, dans certains compartiments du jeu. Il va falloir que, à mon sens, nous soyons un petit peu plus proches les uns des autres quand on a le ballon. Je parle bien évidemment dans les couloirs, on est un petit peu trop écartés, et à la sortie, c'est très compliqué de retrouver, et surtout... à la récupération, d'aller vite vers l'avant, c'est-à-dire que tout ce qu'on fera comme conduite de balle, comme prise de balle, comme intervention et comme passe, de choisir le joueur le plus haut. Parce que pour sortir d'un contre-pressing comme celui de Monaco, il ne s'agit pas de mettre un ballon vers l'arrière ou un ballon latéral, parce que immédiatement nous sommes pressés par 3-4 joueurs qui arrivent à toute vitesse, qui vont très très vite, et qui nous pose des difficultés. Et puis quand ils récupèrent le ballon à cette hauteur du terrain, eh bien ils sont vite dangereux et se procurent rapidement des occasions. Alors il va falloir qu'on règle ça. Là encore, sur le plan large, il y a Anthony, numéro 7, qui est un petit peu trop large. Il faudrait qu'il soit un petit peu plus avec ses milieux de terrain. Alors je sais que c'est compliqué parce qu'il défend beaucoup et que ce numéro 11 est très actif, mais il va falloir régler ces petites choses là et que quand on est en difficulté comme ça, rien de mieux que d'être les uns à côté des autres et de se serrer les coudes, voilà. Et il y a quelque chose qu'on ne fait pas beaucoup encore, c'est être présent au second ballon, voilà. Là c'est Harry qui le fait, mais Harry est défenseur central et quand il sort, eh bien après on est découvert derrière, il faut faire attention, bien couvert par Laurent. Et bien relancé par Lucas, voilà.
par moment, on fait de bonnes choses, il faut continuer comme ça. Il ne faut pas s'énerver, il faut prendre patience, apprendre la patience. Et il est vrai que le GFCA, jusqu'à la 20e minute de jeu, on le voyait, hein, vous le voyez, vous l'avez vu vous aussi sur vos écrans, très bien placé, on voyait le bloc se déplacer. Et puis il y a eu ce but qui a déstabilisé un tout petit peu, et le Gazélec a quand même mis 10 minutes afin de digérer ce premier but. Attention, parce que là c'est Sylvain qui va jouer un coup franc, nous jouons les dernières minutes de jeu dans cette première mi-temps, il faut toucher dans les airs. Eh bien nous n'avons pas été mis en difficulté, et il est vrai que peut-être sur les seconds ballons, sur ces ballons qu'on doit récupérer pour jouer rapidement avec Adam Bamani Kouyanis, eh bien on n'a pas réussi, on l'a fait une fois ou deux, mais on peut vous dire qu'on pourrait rentrer en première mi-temps avec un partout. Il est vrai que les Monégasques ont eu la possession, on va dire que si nous avions une statistique, eh bien la possession elle est peut-être de 60% pour les Monégasques. Et on ne va pas dire qu'on les a vus, nous avons fait l'interface. Comme là maintenant, voilà, on récupère, il y a un bon ballon, bien joué pour Yanis, il va rentrer. Allez mon grand, la frappe, il est contré, le ballon qui revient. Ouais, c'est le poteau. Oh, c'est pas possible. Et il fallait y être les enfants là. On l'a bien senti pour cette dernière minute de jeu, dommage. Oh là 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 là, on n'a pas senti le coup là, on n'a pas senti le coup. Et c'est encore la preuve qu'on peut les déstabiliser. Allez, ça repart. Voilà, ils ont compris sur le côté droit. On accélère, un petit ballon. Allez, Bamalik, il faut rentrer dans la surface d'apparition. Ah, le contrôle de la défense avec Camara. Camara qui donne pour Waroud. Et voilà, ils vont... Ils vont temporiser un tout petit peu. La tempête est passée. C'est bien dommage. Bien dommage, mon cher Robert, parce que là, eh bien, rentrer avec le 1-1. Et puis alors là, il y avait le coup était bien joué, finalement. Eh bien, on aurait réalisé le coup parfait. On serait rentré 1-1 en souffrant les trois quarts de cette première période. Et on aurait pu repartir avec une seconde période où on aurait pu se dire qu'à un moment donné, on revenait de loin et repartir de l'avant. Il va falloir que l'équipe se mette un petit peu à la hauteur d'Harry, se mette un petit peu à la hauteur de Yanis, de Bamalik, parce qu'eux font du bon travail, ils sont présents, ils sont actifs. À l'image de l'action de Yanis, nous avons deux attaquants qui ont été spectateurs un petit peu du jeu, et c'est ce qui se passe un petit peu dans cette équipe pour le moment. On est un petit peu spectateur quand Monaco joue, on est un petit peu spectateur quand notre coéquipier a le ballon, et il va falloir qu'on fasse mieux que ça. Exactement. Voilà, vous l'avez compris, les deux coups de sifflet qui ont demandé à tous les acteurs d'aller se reposer. Pour l'instant, et bien depuis la 20e minute de jeu, nous avons eu l'ouverture du score de la part de Moussaoui. Robert, on va revenir un tout petit peu sur ce début. On a senti tout de suite que les Monégasques ont voulu se rassurer. On a fait tourner le ballon, on a regardé si... On a fait ses gammes. Et souvent, on peut tomber sur une équipe qui ne se trouve pas. Ils ont commencé à se trouver. Nous étions bien placés, mais par une fois ou deux, on a très bien compris que, ils ouvraient une brèche sur le central et que ça pouvait aller très 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 vite à partir de la 20e minute de jeu, parce qu'il n'y avait pas eu, il y avait eu des incursions, mais en plus elles avaient été stoppées par le hors-jeu. Donc nous étions bien placés, mais il est vrai que on a eu l'impression. Alors, on ne va pas dire qu'on les regardait jouer, parce qu'ils ont un confort technique qui est incomparable. On n'avait pas le ballon. C'est arrivé. Il y a eu ce petit ballon, il y a eu ce but. Et à partir de la 20e, et quand même jusqu'à... Allez, on ne va pas dire pas... Mais au moins jusqu'à la 30e, où nous avons eu la première occasion, on a senti un tout petit peu qu'on a été secoué, on a été déstabilisé. Et comme tu le disais auparavant, eh bien... Il y a quelques joueurs qui ont compris qu'il fallait qu'ils continuent à faire ce qu'ils faisaient actuellement sur le terrain. Par contre, d'autres, on les a sentis un peu perturbés par ce but.
parce qu'il n'est pas venu sur une grande domination. Dans les airs, ils ne nous ont pas dominés. Ils nous ont dominés dans la possession de balle. Oui, après, je dirais qu'on est un petit peu naïf. Parce que cette équipe de Monaco vous fait tourner un petit peu en rond, elle vous fixe un petit peu sur un côté, elle vous fait sortir des joueurs. Et nous, on a tendance à suivre les mouvements de ces joueurs-là bêtement. Et il nous faut sortir de notre zone. Et quand il nous faut sortir de notre zone, ils ouvrent un espace pour quelqu'un qui arrive lancé. Et on se retrouve vite en difficulté. C'est un petit peu, je dirais, le plan de jeu que met en place Monaco dans toutes ses catégories. Avec la qualité qui va avec, bien évidemment. Mais c'est quelque chose de très travaillé, de très réfléchi. C'est pas forcément, facile à mettre en place, hein, puisque pas tout le monde y arrive. Mais c'est surtout pas facile à contrer. Et pour ça, il faut qu'on ait une équipe un petit peu plus mature. Et on a vu que, par exemple, des garçons comme Marie qui ont joué l'année dernière une partie de la saison des Seins Nationaux, eux se font un petit peu moins avoir. Ils se focalisent un petit peu plus sur le ballon et arrivent aussi à se focaliser sur les déplacements des joueurs. Et souvent, dans notre équipe, aujourd'hui, on a des garçons qui s'occupent soit du ballon, soit du joueur, mais qui, par moment, perdent de vue soit l'un, soit l'autre. Et contre ces équipes-là, ça devient très difficile à gérer. Malgré tout, eux aussi font des erreurs parce qu'ils sont très joueurs. Donc à un moment donné, il va falloir être à l'affût parce qu'on va pouvoir peut-être récupérer des ballons dans des zones hautes. Et puis après, il va falloir être juste. Aujourd'hui, ce qu'on n'arrive pas à faire, c'est vite se mettre vers l'avant, vite se mettre en position d'aller chercher ses défenseurs adverses. On met du temps à s'organiser et c'est ce qui fait pour le moment la différence. Bon, il ne faut pas perdre espoir. On a une équipe assez en confiance pour relever la tête et on va faire confiance au staff qui a prouvé à maintes reprises qu'il savait gérer les pauses pour repartir du bon pied. On avait eu ce match de Saint-Étienne qui est d'ailleurs la seule équipe à avoir gagné à Mezzavie cette année et qui écrase entre guillemets ce championnat puisqu'elle a gagné 7-0 hier contre le GC Nice. Et on avait été un petit peu frustrés de ce match perdu 2-1 sur un but extraordinaire d'un joueur stéphanois, mais on s'aperçoit que le niveau est quand même très élevé et que, bien évidemment, ce n'est pas toujours évident. Mais il faut se servir de ce genre de match pour accumuler de l'expérience et gérer au mieux les situations, parce que souvent, bien évidemment, on a compris notre plan de jeu, bien évidemment, on le respecte, mais à l'intérieur, à l'intérieur de ce plan de jeu, il y a des situations à appréhender. Et par moments, nous avons certains joueurs qui sont un petit peu naïfs, un petit peu trop jeunes, un peu avec un manque de maturité ou avec, par moments, ce manque de réflexion. Voilà. Et qui fait qu'on se retrouve en difficulté. On passe un petit peu à côté, on est un petit peu en retard. Voilà. Il va falloir être actif et anticiper un peu les choses en seconde période si on veut un petit peu moins souffrir, moins faire d'efforts et se concentrer pour... à la sortie pour pouvoir être lucide, attaquer et marquer un but. Exactement. J'ai un petit, pour l'instant, Montigé, là en prolongation, nous sommes menés 3-0 dans le match de la Coupe de Corse. Oui, Robert, on n'a pas eu le ballon, on n'a pas eu la possession, on a senti quand même qu'il y avait des joueurs qui avaient été un peu perturbés, qui ne sont pas à leur niveau, hein, on le voit. Mais quand même, je suis sûr et certain que si on revoit un tout petit peu les occasions, Nous sommes devant les occasions, parce qu'il y a déjà Adam, après. Alors, la dernière, elle est significative, hein, parce que, comme tu disais, les joueurs de Monaco sont joueurs, et y compris même dans la phase de réparation, confort technique, on est tranquille, on veut tac, on se fait piquer le ballon, il y a la frappe, dégagement sur le poteau, et on a deux joueurs qui regardent, et on a l'impression que c'est un peu ce qui s'est passé dans cette première mi-temps, c'est que les Monégasques nous ont un tout petit peu endormis en faisant tourner le ballon, et c'est peut-être cette action qui résume la première mi-temps. On a eu nos deux attaquants qui sont tellement réactifs, qui sont tellement efficaces chaque fois, en fait ils ont regardé l'action, ils ont été spectateurs. Alors la différence entre souvent ce genre d'équipe et les nôtres, c'est un petit peu l'efficacité, la maturité dont je te parlais tout à l'heure, mais surtout l'efficacité. Mais l'efficacité, elle est aussi
elle est créée aussi, pourquoi ? Parce que l'équipe en face fait un petit peu moins d'efforts que nous, et que quand elle a le ballon, elle a le temps de s'organiser, elle a le temps d'être lucide pour arriver devant le but, et qu'il ne lui en faut pas 50 000 aussi pour scorer. Nous, le fait de faire beaucoup d'efforts, par moments inutiles, alors par moments utiles, et de se retrouver sur des courses de 15, 20 mètres ou 25 mètres pour arriver devant le but, alors que le mouvement emmené par Monaco va permettre à leur attaquant de courir sur 5 mètres, 6 mètres. C'est ce qui fait des fois la différence pour être lucide devant le but. Et là, pour le moment, on n'est pas efficace, on manque d'efficacité. Et on est aussi un peu spectateur, il faut le dire. Dans ce genre de match, il faut pas réfléchir, il faut avoir la tête vraiment à l'objectif qui est d'aller le plus vite possible dans le but adverse. Surtout qu'on sait qu'on n'aura pas beaucoup de phases de conservation importantes sur la durée. Voilà, on aura des phases de conservation qui seront limitées, mais à nous de bien les utiliser, parce qu'il n'y a pas besoin de faire une vingtaine de passes avant d'être dangereux. Je pense qu'avec les qualités de joueurs que nous avons, en 3-4 passes, on peut se retrouver devant le but, à condition de ne pas récupérer le ballon trop loin, de ne pas faire trop d'efforts pour le récupérer, à condition de faire le bon choix technique et de donner le ballon dans le bon sens pour que le joueur qui court vers le but puisse récupérer quelque chose de cohérent sans être dans la bataille. Pour l'instant, on n'arrive pas à se trouver sans être dans la bataille. Il va falloir qu'on puisse gagner un temps d'avance sur l'adversaire pour que notre porteur de balle ne soit pas tout de suite agressé. C'est ce qu'arrive à faire Monaco, déjà par leur positionnement sur le terrain où ils nous mettent des attaquants très haut qui nous font reculer nos milieux de terrain, qui laissent des espaces entre notre attaque et notre milieu de terrain. Eux s'organisent là-dedans et notre milieu composé de Franchet et d'Ari et de Hamza se retrouve un petit peu entre deux et à courir un petit peu de partout et nulle part à la fois pour l'instant. Donc il va falloir les aider. Il va falloir que Yanis et Bamalik viennent un petit peu sur des situations côté opposé, comme une position de numéro 10 pour faire un milieu à 3 et nous rassurer. Et surtout, pouvoir à la sortie, quand Monaco fait tourner le ballon, empêcher cette passe qui arrive toujours au milieu de terrain et qui permet à Monaco de passer de la droite à la gauche avec une facilité déconcertante et qui nous met vite en difficulté, parce qu'après sur la largeur, il faut couvrir beaucoup plus de mètres. Et l'équipe monégasque, avec les qualités techniques mais aussi athlétiques, devient difficile à gérer pour la seconde période. Espérons que nous soyons plus proches les uns des autres et que nous ayons la tête à la récupération et à jouer vers l'avant tout de suite. Voilà. Après, un coup de pied arrêté qui sont très bien tirés par Harry, qui a un super coup de pied. Un coup de pied arrêté peut nous remettre en selle. Peut-être que... moi, je suis persuadé, hein, c'est ce que je disais hier à mes joueurs à la mi-temps de Monaco. Vous rentrez à 0-0, on aurait pu mener 2-0, et puis après, on aurait pu faire 2-2. Mais je suis persuadé que l'erreur va venir de Monaco, parce que Monaco est une équipe joueuse. Monaco est une équipe qui, à un moment donné, n'aime pas aussi défendre, souffrir, ainsi de suite. Donc, si on arrive à les repousser un peu, si on arrive, nous, à être concentrés, ils vont finir par faire une erreur et on va finir par en profiter. Et j'espère que ça arrivera au 17 aujourd'hui, parce qu'après, par contre, une fois qu'on aura marqué un but, si on arrive à remonter au score, je ne sais pas qui peut prédire la suite de ce match. Et oui, surtout si nous avions égalisé carrément à la dernière minute de jeu par, au début, Yanis, hein, c'est Yanis, et après, il y a le poteau quand même, et après, on a Bamalik et Adam, voilà, qui sont restés un tout petit peu, même presque surpris, on pensait que le ballon rentrait dans la cage du bon Lubaki, qui avait déjà fait montre eh bien, d'une belle prestation. Les Monégasques ont eu le ballon, les Monégasques ne nous ont pas fait tourner en bourrique, mais ont fait tourner le ballon. Et il est vrai qu'à un moment donné, nous avons été spectateurs. Et à partir de la 20e, un tout petit peu déstabilisés. Les ballons qui étaient récupérés au milieu terrain, les lignes qui étaient coupées par ce ballon dans la verticalité pour Boulifa. Et voilà, Moussaoui a scoré, mais nous n'avons pas été bousculés. C'est une rencontre de très bonne facture,
Il est vrai qu'il va falloir couvrir les zones côté GFCA et se rapprocher d'Adam, se rapprocher de Bamalik. Un Bamalik qui a eu du temps à rentrer un tout petit peu dans la rencontre et qui, dès qu'il est rentré dans la rencontre, on a senti qu'il y avait eu la percussion nécessaire pour déstabiliser cette équipe monégasque. Voilà, les 22 acteurs sont de retour. Allez, Robert, on va juste revenir sur la journée d'hier après-midi. Béziers 0, Montpellier 1. Alors, nous avions vu cette équipe de Béziers la semaine dernière. Voilà, c'est un peu comme le GFCA, hein. Ce sont des équipes amateurs avec de super joueurs. Et dans ce genre de confrontation, alors, extérieur, domicile, c'est la palissade. On va vous dire que ce n'est pas la même chose. Mais est-ce qu'on sent la différence? Par exemple, l'équipe de Béziers, on les a vus contre nous au stade d'Ange Camille, se créer beaucoup d'occasions. A contrario, le Gaz a presque été surpris pour le coup. Hier, le Gaz va à Monaco contre une équipe vraiment du haut de tableau et on gagne en ayant autant d'occasions qu'elle. Et Béziers reçoit Montpellier, n'arrive pas à élever son temps de jeu. Est-ce qu'il est là finalement le curseur entre les équipes amateurs et on peut dire semi-professionnelles, puisque ce sont des gens qui sont en centre de formation? Alors, c'est la spécificité de ce championnat de 19, hein, puisque là on parle bien des 19 nationaux. Il est très difficile, il est très relevé et il y a très peu d'écart entre les équipes. C'est-à-dire que tout est important. Voilà. On ne peut pas se permettre d'arriver et de faire de l'à peu près. Et même quand on fait tout bien, des fois on tombe contre plus fort. Donc ce n'est pas évident. Et il y a très peu d'écart entre les équipes. Voilà. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous avons fait 2 victoires d'affilée. Il s'est passé pas grand-chose pour qu'on puisse aussi revenir avec 2 défaites. Voilà. Parce qu'on a été, alors bien évidemment, meilleur dans certains domaines à certains moments du match qui nous ont permis de l'emporter. Mais il y a eu des gestions de temps fort et de temps faible qui ont été en notre faveur. Mais par moments, nous avons fait, par exemple, à Colomiers, un match bien meilleur que ce que nous avons fait contre Béziers, et même si c'était à l'extérieur, on a fait match nul parce qu'il y a eu un temps faible qu'on n'a pas su gérer, il y a eu quelque chose qu'on n'a pas su appréhender chez l'adversaire et on s'est fait revenir. Donc c'est vraiment un championnat très compliqué, c'est la première fois que j'entraîne une équipe de 19 nationaux en tant que responsable et je dirais que ça n'a rien à voir avec le championnat des 17 ans nationaux qui est un petit peu plus, je dirais, où on voit un petit peu plus au bout de la 6e, 7e journée, quelque chose se dessiner entre les premiers et les derniers, ainsi de suite. Même la Nationale 3, où il y a des favoris, il y a des équipes avec beaucoup de moyens, il y a des équipes avec moins de moyens. Et les 19, c'est vraiment quelque chose de très, très relevé. Alors en plus, les centres de formation qui n'ont presque plus, enfin du moins pour Monaco et Nice et l'OM, enfin l'OM, je ne sais plus s'ils ont toujours une réserve, mais... Attention, là on est contré, bien couvert par Harry. Ils n'ont plus de réserve. Donc, par moment, en 19 nationaux, on se retrouve avec une équipe très jeune, talentueuse mais très jeune. Et par moment, on se retrouve avec une équipe très du même âge que les nôtres, mais aussi talentueuse, avec des contrats pro, avec des joueurs qui ont peut-être fait des bandes de touche en Ligue 1 ou qui sont rentrés ainsi de suite. Donc, c'est vraiment très, très compliqué. Il faut être le mieux préparé possible sur le plan mental, physique. Technique et puis après essayer de faire un bon plan de jeu, essayer d'être de pas se tromper, voilà, alors que ce soit le staff ou les joueurs ainsi de suite, de travailler ensemble. Et bien évidemment il faut être une vraie équipe, une vraie solidarité, sinon ce sont des matchs que par exemple contre Béziers, si on n'avait pas on n'avait pas mis l'accent sur justement cette solidarité dans les moments difficiles ou comme hier contre Monaco, parce qu'il en faut, je ne vois pas comment on aurait pu gagner le match. Donc c'est tous ces ingrédients qui font que on peut à certains moments performer contre n'importe qui. Voilà, à nous d'être les plus réguliers possibles pour enchaîner les résultats. Voilà, c'est ce qui fait en même temps la différence sur le football de haut niveau.
Allez, c'est bien reparti, la deuxième mi-temps. Eh bien, nous jouons la 47e minute de jeu. Et ce sont les Monégasques qui se sont montrés les plus promptes, puisque il y a eu une incursion côté droit dans la surface de réparation qui a failli faire mouche. Mais le Gazélec est en train de montrer autre chose avec Adam. Là, il est contré finalement, dégagement de la défense monégasque avec Chekina qui essaie de jouer rapidement avec Boulifa. Et ce sont les Monégasques qui vont récupérer le ballon. Les gaziers sont beaucoup plus haut. C'est ce que nous attendions, bien évidemment, puisque vous l'avez compris, hein, on récupère le ballon plus haut, on est plus proche du but, même si de temps à autre, sur un grand ballon, on peut contrer l'équipe, mais vaut mieux être beaucoup plus haut et aussi être vigilant derrière, parce que là, la moindre ouverture, fait le plaisir de ces joueurs monégasques avec Sylvain qui a touché beaucoup, beaucoup de ballons. Sylvain pour Moussaoui sur la gauche, il revient, il va frapper du droit et le ballon va mourir en sortie de but. On revient sur le championnat, moins de 19 ans, OM 2, Gignac 1, Herbel 2, Toulouse 2, ACA 2, Rodez 2, c'était aujourd'hui. Colomiers 2, Sporting Club de Bastia 0, Nice 2, Saint-Étienne 2. Vous avez compris que c'est quand même un championnat très, très, très relevé. Allez, dégagement pour le GFCA. Adam qui touche le ballon de la tête, Bamalik. Et on dégage. Voilà, mais écoutez, ça c'est quelque chose que nous n'avons pas vu en première mi-temps. C'est un dégagement, pas n'importe comment, mais un dégagement très très loin, sans avoir mis le pied sur le ballon et sans avoir essayé de chercher un confort technique. Allez, le Gazélec sur la gauche, on essaye de jouer pour Bamalik qui va peut-être récupérer ce ballon. Non, ce sera Kerki qui joue rapidement avec son milieu de terrain. On est sur la droite, allez, il faut refermer tout petit peu côté rouge et bleu. Voilà, allez, ils vont recommencer. Ils prennent le temps avec Ouaroud derrière. On revient pour Chekina. On va pas exciter, ils sont pas bêtes les Monégasques. Hein. On va pas exciter la rencontre parce que souvent, lorsque vous montez le curseur, on peut être rapidement contré. Et là, il y aura une touche signalée par M. Fernandez Costa. Je vous rappelle, les arbitres de la rencontre, M. Canal, M. Costa et M. Fernandez Costa. Oui, qu'y a-t-il ? Une faute. La faute, on va revenir peut-être à la touche, non ? Non, il y aura une faute. Et les Monégas qui vont repartir depuis la 20e minute de jeu. 1 but à 0, but Moussaoui. Nous sommes à la 48e minute de jeu. Je vous rappelle qu'à Montitier, en Coupe de Corse, nous sommes menés 3 buts à 2. Voilà, je crois que c'est les prolongations. En espérant que nous allons égaliser. Bon. Comme qui dirait l'autre, on ne joue pas la coupe. Hein. Mais bon, voilà, si on peut faire un petit tour, c'est bien. Allez. On fait tourner le ballon, Cherki. On lève la tête, en position, délier le centre. Voilà, on touche le ballon, on le dégage. Allez, Yanis qui vient chercher. Voilà, c'est maintenant qu'il faut aller. Voilà, il faut du monde. Parce que là, il y a des blancs. Il y a des blancs et des blancs et bleus pour le coup, pour aujourd'hui. Robert, voilà. On joue plus haut et on s'aperçoit que dès qu'on joue plus haut, eh bien, on les embête. Oui, on va aussi noter un changement de la part du Gazélec, puisque Petranto est rentré à la place d'Anthony Minicogne, et sur le côté droit, un joueur un petit peu plus offensif, Petranto, génération 2008, hein, comme Minicogne, donc première année. Oui, effectivement, là, c'est dommage, on n'est pas sur le second ballon, mais tu as vu de suite que, du moment que on est un petit peu plus haut et on a traduit ça parce qu'on fait monter un défenseur central au milieu de terrain quand on n'a pas la balle et on se repositionne à 4. Voilà, c'est un changement qui porte ses fruits pour l'instant avec un bon sens de dommage. C'est un changement tactique qu'a opéré Jean-Charles à la mi-temps et qui porte ses fruits puisqu'on arrive à récupérer le ballon un petit peu plus haut. Maintenant, il va falloir faire attention aux contre-attaques. C'est dommage qu'on ne soit pas venu cadrer ce joueur et qu'on lui laisse prendre de la vitesse. Il y a certains moments où on arrive à,
à bien se couvrir et d'autres pas. Il faut faire attention. Il y a une grosse faute là, je crois. Bon, on va être rappelé à l'ordre, mais ça devrait aller. Non, pour l'instant, ça se passe bien, il n'y a pas beaucoup de fautes. Il y a pas, personne n'a durci le jeu, ni côté GFCA, ni côté Monaco. Et c'est ça qui est intéressant, bon, en espérant que ce jeune joueur se relève rapidement. Mais on assiste quand même. Voilà, on va appeler le soigneur et il va y avoir un petit jaune, je crois. Même pas, peut-être pas, une galette. La première mi-temps n'est pas de même facture que le début. Alors, un début de rencontre... c'est toujours la même chose, là les joueurs sont beaucoup plus chauds ainsi de suite, mais on a senti quand même que les gaziers ont eu une petite soufflante sympathique, hein, puisqu'on les a sentis beaucoup plus alertes, on va dire, voilà, pour ne pas dire autre chose. Oui, ils sont mieux, ils ont décidé d'avancer, après, comme je te disais, bon, Jean-Charles a fait passer un défenseur central au milieu de terrain quand à la perte de la balle pour essayer de nous faire avancer quelques mètres et de nous rapprocher un petit peu de nos attaquants pour récupérer le ballon haut. Il va falloir faire attention parce que des fois nous sommes trois derrière et il n'y a personne qui fait du marquage. Et à la sortie, l'attaquant de Monaco qui récupère le ballon au milieu de trois joueurs se retrouve tout seul et est capable de se retourner. Et ça part vite dans les couloirs. Il va falloir faire attention à ce genre de contre et s'organiser avec un cadrage du porteur de balle et une couverture. Sinon, on risque d'avoir des soucis. Il va falloir faire attention aussi à ces coups de pied arrêtés qui sont pas mal tirés. Non, pas tant que ça. Voilà, c'est un peu long. Ça va nous permettre de nous dégager. Mais il faut faire attention à ça. Et on va voir ce que ça donne. Effectivement, on n'est pas trop mal reparti, hein, presque 10 minutes déjà. Voilà, donc. Allez, le Gazélec qui essaye de sauter les lignes. Voilà, les rouges et bleus, Bamalik peut-être. Non, c'est ce diable de Sylvain, hein, le numéro 6. Le petit jeune en plein milieu de terrain, lui, il aura touché un maximum de ballons. On repart avec Loubaki, le gardien de but. Voilà, on saute les lignes, ils ont compris que les gaziers étaient hauts et qu'ils devaient récupérer les ballons au centre du terrain. Le Gazélec va pouvoir récupérer ce ballon. Je vais vous dire un tout petit peu mon sentiment. Je pense que, allez, si à la prochaine occasion, eh bien, nous y mettons un tout petit peu d'efficacité. Attention avec cette paire de balles quand même parce qu'ils vont se projeter de l'avant. Il est bien contré, récupération, il faut toucher le ballon, mon grand. On dégage le ballon côté GFCA, mais attention à ces pertes de balles et un peu plus de replacement défensif. Voilà, attention. Oh, la frappe ! Ouh là là ! Centre-tir. Et finalement, c'était un tir. Et Lucas qui a bien dégagé son camp. Voilà, les Monégasques qui... de temps à autre ont un accès de fièvre. Adam qui va descendre là avant-centre du GFCA pour positionner son 1m90 pour dégager de la tête. Voilà, allez, on va se placer. Il y a même Yanis qui est revenu sur Sylvain. Et le corner de la droite vers la gauche, ballon qui s'élève, la tête, non. Et le Gazélec va pouvoir repartir tranquillement. Écoutez, toujours un but à zéro, la touche est à refaire. Voilà, bah, ça c'est faute. Hein. On ne va pas dire faute impardonnable, mais bon, je peux vous dire une chose que... voilà, au 57 minutes de jeu en deuxième mi-temps, toujours... un but à zéro pour l'équipe de Monaco qui a récupéré une touche alors qu'elle n'avait pas le ballon puisque la touche a été mal effectuée. Le centre, il est contré. Les Monégasques vont garder la possession de balles. Il fait beau à Mezzavi. Il y a beaucoup de monde. Je peux vous dire une chose que pour un match de moins de 17 ans, c'est impressionnant. Tant mieux avec cette belle pelouse et ce beau soleil sur ce stade Ange Cazeneuve. Allez, les gamins. Long dégagement du Gazélec. Adam aux prises avec Camara. Camara qui récupère le ballon qu'il a donné pour Sylvain. Et un petit ballon. Oh là là! Attention, c'est bien joué, Sylvain. Voilà. Robert, on cherche côté monégasque. C'est ça. Il cherche à couper les lignes et récupérer le ballon. Et rapidement, on coupe la ligne. On peut passer un moment où on fait tourner le ballon, mais c'est un peu leur marotte. Hein. C'est-à-dire qu'on récupère et on coupe les lignes.
Oui, après, ils font tourner le ballon parce qu'ils essayent de te faire sortir un petit peu. Ils essayent de te faire croire que tu es à portée d'intervention et que tu peux aller récupérer le ballon. Et puis, une fois que tu es enclenché et que tu es un peu en retard, ça, c'est bien joué. Par contre, c'est dommage. C'est dommage, le troisième, il ne suit pas. Mais et dès que tu es un petit peu en retard, eux, ils enchaînent après. Et une fois qu'ils ont pris de la vitesse, ils sont compliqués à arrêter. Alors, heureusement, on a Harry, Laurent et Matteo qui font un bon match. Derrière, surtout Harry, qui coupe beaucoup de situations là-bas à droite parce que le côté gauche monégasque, je le trouve beaucoup plus performant que le côté droit. Il va falloir qu'on soit un peu plus juste techniquement, sinon ça va être trop compliqué. Voilà. Ça va être trop compliqué. Et surtout que ce sont des choses qu'on est capable de faire, je pense. Voilà. Parce que il y a quand même de l'espace à la sortie. Et on se précipite un peu, on ne donne pas le ballon dans le bon sens, dans le bon axe, avec la bonne vitesse. Et voilà, on manque de justesse, tout simplement. Il va falloir régler ça, sinon ça va être compliqué. Encore une faute et on prend un coup franc. On passe un moment assez difficile là. Il faut faire attention parce que, en plus, on n'arrive plus à enchaîner 2-3 passes. Voilà, je pense que le mauvais temps est passé. Allez, ils ont eu un temps fort, les Monégasques, mais il est vrai que là, ils ont senti que peut-être. Alors, on l'a pris en première mi-temps à la 20e. Hein, là, nous sommes, on va dire, on a passé la 55e. Allez, le Gazélec avec Bamalik. Un petit ballon, bien joué. Le centre, il faut s'appliquer, mon grand. On demande un pénalty côté. Non, je pense pas. Hein, je pense pas. Non, il n'y a pas pénalty. Même si le ballon a touché le bras, il était collé. Non, il n'y a pas pénalty. Je crois qu'il y avait mieux à faire. C'était bien joué. On avait récupéré le ballon sur le côté gauche. Il y a eu mieux à faire pour notre latéral gauche. Un peu plus de patience, peut-être. Allez, le corner vers de la gauche vers la droite. En position, il y a Adam, il y a Bamalik, le ballon au ras de terre, allez, il faut s'appliquer mon grand, ce sera une touche pour les Gaziers, toujours un but à zéro à la 20e minute de jeu, Moussaoui pour les Monégasques et une deuxième mi-temps qui pour l'instant ne ressemble pas trop eh bien, à la première puisque le GFCA ne s'en laisse pas compter et récupère le ballon très haut. N'a pas encore eu une nette occasion, comme celle en première mi-temps et surtout celle de la 45e minute de jeu. Mais je peux vous dire que, eh bien, ils sont présents. Et là, il va y avoir un coup franc. Voilà, très bien. Un coup franc très intéressant. Nous sommes, à l'entrée de la surface de réparation. Il va falloir s'appliquer, se positionner et pourquoi pas les enfants, les amis, je vous rappelle GFCA Web TV, Frequenza Nostra sur le Facebook Live et le 99 FM. Pour l'instant, Monaco 1, GFCA 0, mais le GFCA a un temps fort. Et peut-être, allez savoir, sinon le grand Adam nous met une belle agabate. Allez, on y va, attention. Allez, monsieur Canal. Le ballon qui s'élève. Dégagement de Loubaki devant Adam. Allez, le Gazélec, encore un long ballon. C'est haut. Il s'impose. Attention, le contre. Eh oui, on était très haut, on était spectateur. Moussaoui qui va essayer de jouer pour Boulifa. Et finalement, le ballon est contré. Le Gazélec qui récupère le ballon. Oh là là, c'est bien joué ça. Wouh ! Tranquille, hein ? Récupération dans la surface de réparation. Allez, ça repart. Ils sont boostés, dommage, les rouges et bleus. Il y avait une transmission pour Adam. Allez, il faut lui donner. Allez, Adam. Allez, Adam qui va rentrer. Adam qui va centrer. C'est pas possible. C'est pas possible. Mais je crois qu'il va y avoir un carton jaune. Oui. Oui. Bien arbitré, monsieur Canal. Oui. Je crois même qu'il pourrait revenir à la faute. Hein. Parce que lorsqu'Adam démarre, eh bien, on l'a collé au basque et on lui a même tiré le maillot. Robert, voilà, c'est presque
dans une telle rencontre, c'est presque impardonnable. Mais c'est dommage. C'est dommage parce qu'on a laissé passer la chance encore une fois. Bon, il va peut-être y en avoir d'autres. Hein. Je trouve Monaco un petit peu moins serein, surtout derrière. Voilà, ils font beaucoup d'erreurs. Ils maîtrisent un petit peu moins le sujet. Il va falloir qu'on en profite. On trouve des failles un petit peu à gauche avec Evan, avec Bamalik. Et il va falloir continuer comme ça et persévérer un peu sur ce côté gauche sans trop s'énerver. Alors, c'est bien qu'on fasse monter un petit peu le match en régime, mais il ne faut pas aller trop loin non plus pour s'énerver. Il faut que ce soit un petit peu maîtrisé, toujours. En tout cas, l'action était belle. Et quand Evan est passé, quand Adam est passé, c'est difficile de le stopper. C'est dommage que Yanis n'ait pas pu conclure cette occasion parce qu'à un partout, après, bon, déjà on ne perdait plus. Hein, puis on n'aurait plus le gagné après. Hein. Mais bon, allez, on va dire que c'est mieux. C'est mieux, c'est beaucoup mieux. On commence à avoir des occasions de but. On est plus haut sur le terrain. Même si on prend un petit peu plus de risques. Pour l'instant, Laurent, Harry et Matteo tiennent la baraque. Donc, il faut essayer d'en profiter. Allez, on récupère le ballon très haut. Le Gazélec, encore peut-être une action. La frappe ! Ouh ! Et le Bakik qui est obligé de sortir la grande classe. Allez, il y a des supporters derrière, ça pousse. Il y aura, je crois, il y a même les moins de 19 ans là-bas. Allez, attention, il y a le contre-monégasque, parce que là, nous parlons de contre-monégasque. Allez, le ballon derrière, attention avec le gardien de but, ne pas se tromper. Lucas, le gardien de but du Gazélec, qui dégage, récupération monégasque. Non, finalement, c'est un rouge et bleu. Allez. Ils sont en train d'être déstabilisés. Il y a un petit coup à jouer sur la droite. Bamalik, bien joué. Allez, il faut rentrer dans la surface de ration. Oh, qu'est-ce qu'il y a eu? Une bousculade. Allez, oh, dommage. C'était deux contre un. C'est Petranto, je crois, qui avait le ballon, là, sur la droite. Allez, le Gazelle qui récupère le ballon très haut. Il va falloir s'appliquer dans ses centres. Toucher le ballon. Il y a une faute. Allez, il y a une faute. Tranquille. Doucement. Allez, doucement, nous sommes rentrés dans la 64e minute de jeu. En deuxième mi-temps, toujours 1-0 pour l'équipe de Monaco depuis la 20e. Et le Gazélec qui pousse, oui, il pousse le Gazélec, qui a eu l'occasion pour égaliser le coup franc à quelques mètres de la demi-lune, côté monégasque. Nous sommes... Alors, pour celles et ceux qui connaissent mes avis, on n'est pas côté champion. On est de l'autre côté. La frappe, le ballon qui s'élève. Adam Loubaki qui dégage. Récupération Gazélec. Très bien avec Bamalik. Bamalik, le petit ballon. Voilà, bien joué, il faut le toucher. Ah, il y a une faute. Ouais. Il y a une faute d'Hamza, je crois. Hein, c'est ça. Hamza, voilà. Monsieur Canal revient. Il n'y a pas eu beaucoup de fautes. Allez, voilà. Allez, on va réprimander. Tout le monde va se calmer un tout petit peu. Ouais, Robert. Bah, la deuxième mi-temps, c'est pas la même hein, quand même. Hein. Ça va mieux. Oui, c'est bien. On est dans le match. Voilà, on a loupé entre guillemets la première. Et peut-être aussi parce que Monaco avait mis les ingrédients pour nous la faire louper. Mais ils ont baissé un petit peu de pied. Nous, on est monté un petit peu. On va dire qu'on les gêne un petit peu plus. Maintenant, il va falloir mettre le ballon devant le but, souvent. Il va falloir être présent dedans, dans la surface de réparation. Il va falloir éviter ce gardien quand même, parce que tous les ballons qui arrivent dans son périmètre, pour l'instant, ça répond présent et ça répond facilement présent. Voilà. On sort mieux le ballon, on est beaucoup plus juste, on a plus d'idées. Et là, encore, c'est dommage. Un bon ballon dans la profondeur, ça aurait été mieux. Mais on va dire que le rapport de force n'est pas le même. C'est le genre de geste qu'on n'a pas vu de la première période. Voilà, on savait les faire, mais on n'était pas dans le bon sens pour l'instant. Ça aussi, c'est bien joué. Allez, va au bout, petit. Allez. Dommage. La personne. Je pense qu'il va falloir qu'il finisse par tirer. Oui, voilà. Un petit peu plus de détermination, il va falloir qu'il frappe au but. Eh oui, il faut frapper au but. En plus, nous sommes en train de faire briller
Le flamant rose. Loubaki, ouais, il est tout en rose. Attention les Monégasques, parce qu'ils sont toujours là et parce qu'ils ont de la qualité et parce qu'ils mènent depuis la 20e minute de jeu. 1-0, but de Moussaoui. Mais le GFCA pousse. Le GFCA a des occasions. À noter quand même que la première occasion, dès la 46e minute de jeu, a été pour Monaco. Et l'incursion, bien évidemment, du terrible El Ouaroud et les Monégasques, allez, qui vont repartir, mais qui sont moins tranquilles. Voilà, dans la récupération de balles, on y a mis un tout petit peu quelques ingrédients. Voilà, hein, on va chercher le ballon dans les pieds, on ne les a pas regardés. Première mi-temps, on les a un peu regardés. Hein, c'était un peu l'essuie-glace. Allez, ce ballon, attention. À vouloir rapidement toucher Bamalik ou Adam et on perd trop vite le ballon. Sylvente qui joue sur la gauche avec Rosana. Rosana avec Moussaoui, le buteur de la 20e. Et le ballon, voilà. Les Monégasques qui sont un peu perturbés quand même. Voilà, qui arrivent un peu moins. C'est bien dommage qu'on n'ait pas égalisé. Et en plus... On n'est pas égalisé parce que... Alors, il y a un changement, je crois, non ? Non, ouais, un changement côté monégasque. Voilà, qui va sortir ? C'est un grand costaud qui rentre. Allez, c'est le numéro 7. Qui va sortir ? Gazelec aussi, il y a quelqu'un qui rentre. On va voir. Alors, c'est Pietrantro qui est rentré, qui est sorti, je crois qu'il est blessé. Ah ouais, il est blessé. Dommage, hein ? Ça met un petit coup. Alors, Moussaoui qui sort. On va voir par qui il est remplacé. Allez, le Gazelec qui repart. Un petit ballon du pied gauche pour Adam. Il est bousculé, Adam ! Oui, oui, monsieur l'arbitre. Oui. Bien. Oui. C'est Dodo qui remplace Moussaoui. Dodo. Allez, le ballon pour le Gazelec. Nous sommes à 30 mètres, 32, 33 mètres des buts gardés par l'excellent Loubaki. Allez, il y a quelque chose d'intéressant à faire, les enfants, là. C'est toujours Harry. Oui. Harry et son pied. Allez, Harry, un petit ballon, oui, oh, c'est pas possible, la parade de Loubaki. C'est Yanis qui a mis la tête ? Adam. Non, c'est Adam, ça a été carrément du 1 contre 1. On mérite d'égaliser le GFCA qui pousse, le corner de la droite vers la gauche. Allez, on discute un tout petit peu. Ne vous en prenez pas. Voilà, c'est Loubaki avec Adam. Voilà, M. Canal, qui pour l'instant est impeccable. Voilà, va demander à Adam de se calmer un tout petit peu. C'est pas le moment, voilà, de se faire expulser. Allez, les amis. Toujours 1-0 pour l'équipe de Monaco. Face à un Gazelec revigoré. Le ballon qui s'élève ! Encore une fois, Loubaki du point. Ah, il se régale. Hein. Et c'est Dodo qui essaye, qui est rentré en lieu et place de Moussaoui. ...72e minute de jeu en deuxième mi-temps. Allez, le Gazelec qui sur le côté gauche récupère. Mais il y a un bon petit décalage sur la droite. Il faut s'appliquer. Ouais, c'est pas possible. Oui, c'est bon, mais c'est pas possible. Ça va pas rentrer. Oh là 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 là, l'occasion encore une fois, mon cher Robert. Écoute, voilà. Là maintenant, on va finir par se contrarier. On va finir par le regretter surtout. Hein. Maintenant qu'on fait les choses bien, qu'on a pris le dessus, on a gagné le rapport de force. Monaco qui ne fait que pour l'instant résister. Son meilleur joueur en seconde période, c'est le gardien. On aurait tout intérêt à appuyer sur ce couloir droit de Monaco que je trouve assez faible et qui est en pleine difficulté depuis tout à l'heure, même sur les ballons longs.
Il va falloir qu'on finisse par marquer un but. Hein. On manque un petit peu de spontanéité devant, c'est dommage. C'est dommage. C'est vrai. On n'a pas cette réactivité. On n'a pas ce côté où, voilà, on met le pied. Voilà, on est tranchant. Pas tranchant pour l'instant. Ben, pour l'instant, c'est le gardien qui gagne tout. Hein. Voilà. Loubaki. Loubaki, c'était Moussaoui hein, qui avait marqué, mais là c'est Loubaki. Hein, Gazelec 0, attention, l'avant-centre, Boulifa qui était rentré, belle incursion, et c'est le Gazelec qui touche encore une balle, on pourra dans. Allez Adam, il faut accélérer. Allez Adam. Oh là là, dommage, il est contré au dernier moment par Chekina. Et le GFCA qui pousse, et le GFCA qui est en train, eh bien, de trouver les forces pour bousculer un tout petit peu cette équipe de Monaco. Mais il y a un flamant rose dans les buts. Vanyelig, Monaco, Skuisoukui. Baba, bibaba. Oh, tchokachakachat. Allez, Dodo qui essaye. Voilà, c'est Dodo qui touche le ballon. Je crois qu'il y a une. Il y a un petit. Une petite manette, épaule, manette, mais bon, allez, pour l'instant, ce sont les Monégas qui vont récupérer le ballon, Frequenza Nostra, GFCA Web TV, 99 FM, si vous êtes à l'écoute ou derrière votre ordinateur, on passe un bon moment à mes avis, et pour l'instant, nous sommes menés, le Gazelec 1-0 face à une très belle équipe de Monaco, bien évidemment, qui s'était imposée brillamment en première mi-temps, et qui, depuis la deuxième, perd au point. Je peux vous le dire une chose, on peut vous l'affirmer, Monaco perd au point, le Gazelle qui récupère le ballon. Allez, voilà, tout de suite, il ne faut pas laisser construire les Monégasques, il ne faut pas que les Monégasques recommencent à faire tourner le ballon, à nous endormir un tout petit peu, mais du côté de Jean-Charles Baquet, je pense qu'on y a mis les ingrédients pendant les minutes de repos à la mi-temps. Allez, Harry, sur le côté gauche, il y a une faute. Allez, Harry, la faute, récupération monégasque. Toujours 1-0 pour l'équipe de Monaco sur le stade Ange Casanova dans cette 12e journée du championnat national. Un Gazelec qui va mieux, un Gazelec qui récupère mieux le ballon, un Gazelec qui demande le ballon sur les côtés, un Gazelec qui appuie sur un côté, c'est le côté gauche, alors le côté droit, côté Gazelec, le côté gauche, côté monégasque, qui est déstabilisé, et par trois fois, eh bien, le Gazelec aurait dû scorer facilement, mais est tombé, ou sur la maladresse des joueurs du Gazelec, ou sur la classe du numéro 1 monégasque, Loubaki. Dommage. Allez, les monégasques qui vont essayer. Alors, Robert, les monégasques là, qui usent et abusent de ballons longs. On va expliquer pourquoi. Mais là, pour l'instant, le rapport du force au milieu, c'est nous qui l'avons. On est plus près sur. On est plus prompt sur le ballon, donc ils ont du mal à trouver leur milieu de terrain. Souvent, quand ils les trouvent, ils repèrent vite la balle. Donc, ils ont tendance à allonger un petit peu. En plus, ils mènent, donc bon, ils se la compliquent un petit peu moins. Et surtout, comme je te l'avais annoncé, ils ont un petit coup de moins bien. Alors, ça fait maintenant 20 minutes qu'ils sont un petit peu en dedans. J'espère qu'ils ne vont pas se réveiller pour la fin de match. Mais c'est dommage avec ce long temps fort qu'on a eu, qu'on n'est pas marqué de but, ils ne vont pas prendre de risques. Hein, parce que en plus, je pense qu'ils respectent comme il faut cette équipe du Gazelec. Et ils n'ont pas envie de s'amuser avec. Deux changements d'un coup. C'est Hamza qui sort. Hamza et Yanis. Et il y a Romain et Antoine Dou qui vont rentrer. Alors le Romain, c'est. Romain va rentrer derrière l'attaquant. Il y a eu un changement de tactique qui a été opéré par Jean-Charles. On passe à 4 derrière. Harry qui monte au milieu et Romain qui s'intercale entre les lignes. Antoine Dou va prendre le couloir droit et on va passer sur un 4-2-3-1. Voilà. On va tenter le tout pour le tout. Hein.